Salut tout le monde, c'est Nana et on se retrouve pour l'épisode 12 de notre let's play sur Neptunia. La dernière fois, j'étais enfin arrivé à bout de Noir. Qui, je sais pas, enfin, un peu même plus ce qui s'est passé la dernière fois. Il y a eu un long dialogue. Essayer de se transformer, on l'a chopé et la suite se trouve là. Enfin bref, oui j'en étais où. D'abord faire ça. Ah Luigi, player 2. Je vais te donner ça. Je veux dire, ça nous a bien aidé après tout. Un floppy disk. C'est pas genre une disquette. Ah Spelunker. C'est un plan pour un item. J'ai envie qui peut, n'importe qui peut acheter ça. Si j'avais ça, je pourrais survivre. Si seulement j'avais la chance de l'utiliser. Ah, oui, oui, l'éjecte bouton. Oh oui, est-ce que je peux le faire? Plan. C'est dans l'item. Ah, il me manque de 4 whiskers, je sais pas c'est quoi. J'ai rien d'autre à faire, y'en a pas d'autre. Et bah, la suite. Ça sonne peut-être un peu fort. Je suis rentré à la station. Est-ce que tu pourrais arrêter avec ton sourire effrayant, sachant qu'en japonais je crois qu'il a dit complètement autre chose. Ah, j'ai senti quelque chose en moi, quelque chose briller, comme si je me sentais de retour à la maison. Alors dis-moi Noir, est-ce que tu te souviens de quelque chose? Est-ce que cet endroit te fait voir des... te fait voir des étincelants? Est-ce que... C'est exactement ce que ça veut dire, c'est pas compliqué, c'est Spark of Light, c'est un rayon de lumière. Mais... c'est pas facile de traduire. Est-ce que cet endroit t'évoque quelque chose? Voilà, c'est beaucoup mieux. Non, non, pas du tout. Ah, cet endroit est proche du donjon, donc je pensais que tu venais d'ici. Tu dis que tu as perdu ta mémoire, mais ça va. Bah en fait, ça va pas si bien que ça. Je sais. Et si on essayait de se frapper la tête? Moi je vais essayer sur un oreiller et toi tu vas essayer contre le mur. Attends, pourquoi est-ce que j'aurais faire ça? Attends. Pourquoi l'oreiller pour toi? Et tu vois, je suis vraiment délicate et tu as l'air d'être plutôt dur de la tête, donc je me disais... Se demander quoi? Oh, attends, laisse-moi te couvrir la face avec un oreiller. Oh, attends, Noir. J'étais en train de baguer, hein. Tes yeux sont effrayants. Alors, celui à rayures
ou celui en couleur unie, je te laisse choisir. Ah non, attends, on n'est pas en train de simuler une scène de crime là. Aifi, compa, aidez-moi. Ah, Nep Nep est déjà ami avec Noir. Ah, en parlant d'oreiller, je commence à avoir faim et je suis fatigué aussi. Je sais, allons prendre le dîner avec Noir et après on pourra avoir une bataille de polochons. Alors, mettons de côté la bataille de polochon. C'est vrai qu'un dîner serait une bonne idée. Allons-y. Je suis de retour. J'ai éclaté tous ces monstres. Vraiment, c'est bien, maintenant je n'ai plus à m'inquiéter pour les fournisseurs. Leur ravitaillement, voilà. Ah, je pense que notre première mission dans la station a été un succès. On dirait que vous avez quelqu'un, hein. Que vous avez une personne en plus ici. Qui est-elle? Ah, c'est Noir. Elle a été blessée et a perdu sa mémoire, donc on l'a ramenée avec nous. Ah, c'est ça. Attends. Je l'ai déjà vu quelque part avant. Oh, ce pourrait-il que ce soit Madame Blackheart. L'accent anglais est toujours aussi magnifique. Et merde, je me suis fait choper, non. Est-ce que j'ai besoin de traduire ça? Je pense pas. Cette tête. Oh, cette tête. Il me fait toujours mal à chaque fois que je la vois. Quoi? Je sais. Ah ouais, c'est vrai, c'est méchant. C'est vrai, quoi? Flash info spéciale de 10h, la fille qui avait perdu le mort était actuellement la déesse. Non, attendez, de quoi êtes-vous en train de parler? Ah, j'aime le cosplay, oui, c'est ça. Et donc, comme j'aime beaucoup Madame Blackheart... Ah, je m'enfonce. Ah, nanda. Sorede Blackheart sama sokkuri no kakkou shite tanda na. Ah, c'est ça. Ah, voici donc pourquoi vous portez les mêmes vêtements que Blackheart. Amari ni mo sokkuri datta kara. Tekkiri honnin da to omotta yo. Ah, franchement, vous m'avez eu, hein. J'ai sérieusement pensé que vous étiez Madame la déesse en personne. Ah, c'est un peu dommage parce que si Noir était vraiment la déesse, je suis sûr que le souhait de Chien aurait été entendu. Ah, franchement, Noir, hein.
Arrête de causer tous ces... Ructus. Ructus. Comment on traduit Ructus? De causer tous ces... Zambara, ouais. Ça passe. J'ai eu chaud. Ah mais tu sais, cosplayer tout le temps comme une déesse, c'est un peu comme on est creepy. C'est vrai que c'est un peu difficile de creepy, c'est-à-dire un peu malaisant. Ouais, effrayant, effrayant c'est pas trop ça. Il n'y a rien à traduire. Mais me traite pas d'effrayante. Je c'est pas de ma faute, j'ai mes raisons. Allez vous deux hein. Ce n'est pas l'endroit pour se disputer. Fait trop mal comme quoi Haifi c'est genre le père, tu vois, genre on se calme les enfants, on se calme. Et d'ailleurs ta compa t'as la. Et à côté ta compa qui est la mère mais beaucoup trop gentille et naïve. Et tu as Noir et Neptune, certainement des déesses qui sont assez âgées de plusieurs milliers d'années, et en fait c'est elles les gosses. Chan, on va partir maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que dont tu as besoin? Quoi, vous partez déjà? Oh, laissez-moi au moins vous donner à manger. Ou faire à manger, ce serait mieux. Ah, Sean, ce burger, ce steak est à tomber. Ah, la soupe est délicieuse, ça me réchauffe intérieurement. Ah, ce menu est la fierté de ma mère, je suis heureux que vous l'appréciez. La vie, je connais pas du tout ce mot par contre. En vrai, ça me gênerait pas trop de qu'il y ait un seul mot que je connais pas, mais là quand je dois traduire, on va regarder vite fait la vie. Somptueux, ah, repas plantureux. Plantureux, dépense extravagante. Donc c'est généreux, somptueux, extravagant, ok. Ce repas est vraiment extravagant. Êtes-vous sûr que je peux me joindre à vous, vraiment? Bah, vas-y, mange et apprécie. Après tout, la nourriture est meilleure quand elle est partagée avec d'autres personnes. Allez, apprécie-le, et puis... Oh, mais par contre, pas de bataille de polochon après, hein. Hein, papa regarde. Motsun activé. Ah mais ça, franchement ça c'était l'idée de Neptune hein, c'est pas comme si je voulais le faire ou quoi, pas comme si je voulais le faire hein, Baka. On l'a pas dit Baka mais intérieurement on l'a presque entendu en fait. Oui bien sûr. Quoi? Qui a ajouté des aubergines? Il mérite de mourir! Nepu,
しかしてナスが嫌いなんですか？ネプネプ、tu n'aimes pas les aubergines？Ne pas aimer? Mais je les déteste! Comment peux-tu manger ces choses? Violette, compas! Oh, そうだ。何か思い出すかもしれないし。このナス、ノワールにあげる。先輩から後輩へのプレゼントだよ。Je sais! La nourriture peut parfois nous aider à nous remémorer quelque chose. Donnons-le à Noir! Quoi? Nepko, 子供じゃないんだし、好き嫌い言わず全部食べなさい。Nep, tu n'es plus un enfant maintenant. Arrête d'être... Piki, d'être piki. C'est quoi déjà le mot en français? D'être... Pointilleux, non, d'être... Ah, c'est marrant comme quoi t'as beau connaître le sens du mot, retrouver le mot en français qui a le même sens, c'est pas facile en fait.Arrête d'être... Putain, je bloque là. Arrête d'être... Difficile, ouais, ouais. Arrête d'être difficile et mange-le. Mange tes aubergines, Neptune. Mais qu'est-ce que tu dis, Yashfi? Me forcer à manger quelque chose peut-être dangereux?Que se passerait-il si mon délicat corps mangeait ces choses? Ce serait l'horreur! Ce serait l'horreur! Eh ben, dans ce cas-là, pourquoi tu le donnes aux autres, hein? Dans ce cas, maintenant, mange!Ah là là. Pas besoin de traduire ça. Eh, peut-être que la nourriture va te remémorer des choses aussi, hein? Hein? Non, stop, stop, y avait des sympas.Pas en couille cette histoire. Alors qu'en mode. J'espère qu'on n'est pas trop bruyant. Le moment où tu as genre le gosse qui commence à faire con resto, que le père il commence à l'engueuler, que t'as la merde en mode. Ah, j'espère qu'on dérange pas les autres.Ah, je pense que j'ai trouvé le titre de cet épisode. Famille turbulente au resto. Ah non, c'est rien, c'est juste que je n'ai jamais eu un dîner aussi vivant avant.Ah bon? Ah mais ne t'inquiète pas, puisque comme tu nous as rejoint, ça ne sera pas ton dernier! Alors à ce propos, est-ce que je peux vous aider avec quoi que ce soit? Noir, nous aider?Ah, donc Noir veut nous rejoindre au combat? Eh, ouais, je suis plutôt forte alors. Je pourrais vous aider un peu. Ok. Bah, ce serait un plaisir de t'avoir avec nous.そろそろ私一人じゃこの二人にツッコミを入れるのに疲れていたのよ。Tu sais, je commence à être un peu fatigué de devoir retenir toute la
toutes les hasarderies qui sont que ces deux-là génèrent. Hein. Oh mon dieu. Je vois ce que tu veux dire. I feel you, bro. Et on a Noir qui a rejoint l'équipe. Lazy Drive est maintenant au niveau 2. Mais on a toujours pas d'exé. Yeah, cool, sauf qu'on a toujours aucun perso qui peut l'utiliser. Une équipe de 4 dans un... aussitôt dans le jeu. C'est un bon début si vous me le demandez. Ah non, 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 l'écran se fissure, non. Nep, arrête de briser le quatrième mur. Nara, sono saisaki tsuide ni mata shigoto o ukete kurenai ka? Eh bien, si vous avez eu un bon démarrage, est-ce que ça vous dérangerait de faire un autre petit boulot pour moi? Est-ce que vous pourriez tester l'arme que je vais exhiber à la Technology Expo? La techno quoi? C'est un festival? La station de 4 ans en 1. C'est une exposition qui est tenue à la station où toutes les compagnies exhibent leur dernière technologie. Et il y a aussi un tournoi où le gagnant peut obtenir un trophée de la déesse. Un trophée, waouh! Quel accomplissement ce serait! Mais est-ce qu'on peut anéantir Avenir avec un trophée? Mais non, on va viser la victoire, comme ça on pourra rencontrer la déesse et lui dire ce qui se passe. N'est-ce pas? Ah là là, ce jeu me fait marrer. Je vois, c'est pour ça que vous allez participer. Exactement, c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour tester mes armes. Les armes que je vais exposer. Easy peasy. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire exactement? Vous avez juste à utiliser cette arme et me donner des retours. Quoi, c'est tout? Ça m'a l'air simple. Surtout qu'on peut la faire avec d'autres quêtes en même temps. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire quelques travaux pour Avenir? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Noir? Ce sont les méchants! Il n'y a aucun moyen qu'on pourrait travailler pour eux. Attends, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux dire, Ai-chan? Wifi? Je suis laissé emporter. Avenir doit également avoir des problèmes à obtenir des matériaux.
Surtout que... Selon le travail, on pourrait trouver qu'est-ce qu'ils vont exposer. Et ainsi, je pourrais utiliser cette opportunité pour trouver qu'est-ce que la Basilicom sait de l'avenir. Ah. En même temps, ça me semble pas trop correct. Je n'aime pas Avenir non plus, mais c'est toujours mieux de connaître notre ennemi. Supportons-le ensemble, Nep Nep. Ah, si tu le dis, Compa. Eh, vas-y, c'est ça, ignore-moi. Tu as souffert. Tu as souffert. Je sais ce que tu en sens. Ah, l'épée de test. Le Lily System, en effet. Parce que pour l'instant, on n'en a que 4. Mais on va avoir beaucoup plus de persos après. Et en fait, la majorité vont rester en dehors de l'équipe et vont rien faire en fait. Donc, on peut mettre des gens à l'arrière pour le support qui débloquent des capacités, des trucs super cool, etc. Voilà. On est déjà 30 minutes de vidéo et on a encore rien fait. Bon. Des informations. Monsieur Manuel, qu'est-ce qu'il y a le manuel à propos du Lily System? Le partenaire de votre personnage au front. Ah oui, le Lily System. Met en paire, partenarise. Enfin bref. Pour chaque personnage au front, t'en as un à l'arrière comme support. Une fois qu'ils sont mis par paire, une attaque d'assistance devient disponible. Le Lily Rang peut être augmenté en combattant ensemble. Ok. Oui, donc maintenant il va falloir niveau 13. Elle a un niveau de moins. Alors, parti. Comme vous voyez, il y a des places à l'arrière. Et il y a Noir qui est l'arrière. Bon, je crois que ça va conclure l'épisode. Donc on va faire un... Peut-être un peu d'équipement, voilà. Hein. Normalement, je le fais pas trop avec vous, je crois. Elle est meilleure, vous voyez, ok, elle est meilleure. Elle ressemble à quoi? Ok. Noir est pas équipé. Absolument rien. Faudrait que j'achète de l'équipement. Non, je voulais voir un truc, c'était oui. Statue, voilà, statue. Parce qu'on marque quand même que elle a, si on compare, elle a quand même de bien meilleures stats. Quand même de bien meilleures stats. C'est pour ça qu'en général, en général, je la mets là. Et je me réfie derrière. XP plus. Ok, donc on peut voir que suivant le rang, là sur le côté, on a
On a des bonus, on a plus d'XP, moins d'attente et on a l'attaque commune qui fait laguer mon PC comme pas possible, je sais pas pourquoi. On va laisser là. Okay. À peu près tout ce que j'ai à faire dans les menus, je crois. Mais comme on est à 30 minutes de vidéo, et bah c'est ici que cet épisode va se terminer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.